La série Les Simpsons, dont la saison 34 est désormais disponible sur Disney+, a mis fin à un mystère qui durait depuis 34 saisons. Indice, cela concerne le personnage de Maggie. La saison 34 de la série Les Simpsons est disponible depuis le 12 juillet 2023 sur le catalogue de Disney+ en France. Cela tombe bien, la sitcom de Matt Groening y répond enfin à l'une des questions que l'on se posait tous. Est-ce que Maggie, le bébé de la famille Simpson, sait parler? Eh bien la réponse est oui. Dans l'épisode 22 de cette nouvelle salve, intitulé « Les aventures d'Homer à travers la vitre du pare-brise », on apprend que la petite fille a prononcé deux petits mots. En effet, dans un songe, Homer rencontre la poupée de Maggie lors d'un accident de voiture traumatisant. Il est alors surpris d'apprendre que Maggie connaît son nom, Goobie-Woo. À la fin de l'épisode, on voit Maggie annoncer clairement le nom de Goobie-Woo lorsqu'elle retrouve son jouet perdu. Après des années de mystère à ce sujet, les Simpsons ont ainsi confirmé que le bébé Simpson pouvait parler. Si ci est une agréable surprise, la série avait déjà laissé entendre que Maggie avait cette capacité au sein de précédentes saisons. Les autres fois où Maggie a parlé dans la série Les Simpsons, joue avec nos émotions depuis déjà 34 saisons. À plusieurs reprises, la fiction a voulu nous teaser les capacités de Maggie à parler. La première fois, c'était dans l'épisode 10 de la saison 4, lorsque la petite fille a vraisemblablement prononcé son tout premier mot qui était papa. Cependant, le reste de la famille a raté ce moment, et ses autres essais ont majoritairement eu lieu dans l'épisode spécial d'Halloween, nommé Trio ou Save Horror en version originale. Ce secret bien gardé n'est en tout cas pas le seul mystère autour des Simpsons. Les Simpsons, ces deux autres détails cachés qu'il faut absolument connaître, vous l'aviez certainement remarqué, tous les personnages ont quatre doigts dans la série. Tous, sauf deux. En effet, lors de leurs apparitions, Dieu, dont on ne voit jamais le visage, et son fils Jésus sont les seuls héros à être dotés de cinq doigts. Et pour en revenir à Maggie, on parie que vous ne saviez pas non plus ce que signifie le prix de la petite fille lorsqu'elle est passée à la caisse du supermarché dans le générique. Le montant affiche 847,63 $. Il s'agit en réalité du prix moyen que les parents dépensaient par mois pour élever un bébé aux USA, à l'époque. Article écrit en collaboration avec 6 Media. Nah.